Hey, salut tout le monde, Allez. c'est GrafAigoCraft et je suis en compagnie de Tezuka et de Nefarious. Salut les amis. Salut. Salut. Oh là là, j'ai bugué. En fait, c'est la troisième fois qu'on reprend la même vidéo parce qu'à chaque fois on a un petit problème de connexion. Donc voilà, c'est réglé. Allez, Allez. on peut commencer. Donc, bienvenue sur le deuxième épisode des 3 duels épiques. Oui. Donc là, en plus, j'ai pu reprendre le deck que je voulais au départ parce que j'avais eu un En plus, problème. là, à un moment donné, où Grapha m'a infligé une raclée assez moyen mental parce qu'avec ses monstres de niveau 7, Ouais, avec mon pendule Apex. pendu à Apex avec le niveau 7, plus avec son duo de Simorgh des Ténèbres aussi. Ouais, le duo de Simorgh des Ténèbres, là, il faisait mal. Donc, me voici avec mon deck supra lourd. Donc, il est déjà au courant, puisque je l'ai dit à haute voix. Est-ce qu'il est en français, enfin? Putain, non, ils sont en anglais. Oh. C'est pas grave, de toute T'inquiète, façon. ton traducteur officiel est là. Traducteur N'aie pas officiel, peur. cher ami, c'est N'aie pas qui? peur, Ah, mon des cher fois. enfant. C'est qui, Kakbuchi? Bon. Bah non, mais en fait, pour t'expliquer, c'est de cette façon-là. Donc, j'ai joué contre Xeforius. C'est-à-dire, en gros, je pigeais pas ce que ça donnait. Je faisais des trucs au pif et j'ai gagné. Ouais, En oui, plus, c'est. tu sais ce que c'est mon deck Bah, pour l'instant aussi, actuellement? je t'ai laissé Merde. survivre un petit peu. Ouais. Constellé. Oh. Je t'avais laissé Et ouais. survivre à quelques tours, Ouais, c'est Grapha. pas faux, pas faux. Ouais. Alors, J'aurais pu t'acheter de miel depuis Alors, longtemps et qu'est-ce que je puis vais bien pour y pour prendre s'amuser pour le fun pour découvrir les cartes. Toi, en Ok, nouille. Allez. là c'est Celui-là. cette carte invoquée normalement. Hein, vous échangez sa position. Si votre adversaire. Ok. Bah, de toute façon, on voit les effets des cartes, même si c'est en anglais, on peut voir ça en temps voulu aussi. Alors, j'ai deux possibilités ici mais maintenant de faire des trucs. Je vais d'abord faire de cette façon. Normal. Ah, très bonne semaine. Ah, ouais, d'accord. Donc, c'est pas. Ah oui, parce que ça, c'est une carte qui a. Elle est toute récente, ça. Voilà, c'est ça, ce sont des nouvelles cartes qui viennent de sortir. Ouais. Et qui sont assez cheat d'ailleurs, pour te Oh. dire. T'as déjà mis Bad Kite, punaise, t'as été rapide. Pour t'expliquer, tu peux m'expliquer un truc? Oui. Kakbichi au cimetière, c'est quoi son effet? Ah oui, Soliwatoshi, c'est là celle que tu viens Annuler d'activer? l'effet. Annuler l'effet, ok, c'est bon. J'ai compris. Ouais, vous Ouais, pouvez c'est cibler annuler un l'effet. monstre Super Heavy Samurai que vous contrôlez, équiper ce monstre depuis votre main ou votre côté du terrain à la cible. Si le monstre équipé attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages perçants. Si cette carte est envoyée du terrain au cimetière, vous pouvez ajouter un Super Heavy Samurai depuis votre deck à Ah votre oui, main, excepté Samurai Heavy machin, Samurai ok. Soul Iwatoshi. Donc voici pour la première fois, nous attaquons en position de défense. Merci les amis, c'est parti, c'est Mais en la fait, fête. apparemment, c'est la. Quand je peux dire, d'après mes souvenirs, c'est la deuxième carte qui peut attaquer en défense. Oui, pour t'expliquer, de base, c'est un deck constitué là-dessus. C'est-à-dire, je serai toujours en position de défense, mais je vais t'attaquer quand même. Et en Aïe aïe gros, aïe. ça annule entièrement la carte Force de miroir. Ouais. Mais ça, non, Par ça contre, annule pas Force de miroir des ténèbres, par contre. non, en fait, c'est que pour les cartes posées là. Ah, c'est pour les Seulement. poser, celle-là. C'est pas, c'est pour. Ouais, Seulement pour les même. poser Ok. parce que vu qu'il est. Je savais que c'était des monstres en mode défense, mais j'avais oublié la précision que c'était les monstres posés. Autant pour moi. Par contre, prise en demi-ciel là, et ben ça marcherait. Alors voilà, j'invoque lui normalement. Oui. Il se met en position de def. Allez, c'est Ouais, parti. c'est un peu comme l'autre machin que je me rappelle bien. Oula. Et ça va être fini en 3 tours. Ouais. Étonné que là. Et merde. Et je viens de Et pas voir de qu'au bol. prochain épisode, nous allons avoir un invité surprise. Qui Ah oui, ça? je m'informe sur les trucs d'à côté. Je m'informe sur les trucs Alors. à côté. Puisque ça passe son Bon, de toute temps façon, là, à je. bavarder sur le Skype et ça parle et ça parle et ça parle tous les jours.
Non mais je pense que... Bon, en fait, j'ai pas envie de finir le jeu aussi rapidement, parce que là, ça ferait à peine quelques minutes de vidéo. Et pour vous montrer certaines spécificités du jeu, donc on va essayer d'attendre que j'ai plus de cartes. Vas-y. Bon, au pire, on va faire plus de... Non, c'est 3 duels et puis c'est fini. Ah merde, j'ai envie de pas le poser, là, mec. Avec Guillo. Non, t'inquiète, t'inquiète. Je vais te laisser quelques tours. Non, en fait, c'est moi-même, parce que j'aurais pas y poser, quand même. Pour pouvoir montrer, en gros, en fait, j'avais fait une gaffe. Ah, voilà. En fait, je pense qu'il sera pas autorisé à venir. Pourquoi? En fait, je passe mon temps, en fait, comme j'ai deux écrans, je regarde le jeu tranquillement, je filme tranquillement, je vois le temps qui me reste, et puis je tourne ma tête sur Skype et ça, je vois, bah prépare-toi à entendre de la merde. Bon, allez. Donc, Non, mais faut ajouter de la bonne humeur à cette vidéo. Ah ouais, dans la joie, quand même. Dans la joie et la bonne humeur. Bon, il y aura quelques allusions perverses dans l'eau, mais bon. Ah, mais faut faire que ça fait vendre. Bah, hé, rigole pas, hein, moi je me suis fait engueuler parce que justement, dans la première épisode de l'espoir du combattant, enfin, oui, j'assume sur le fait que j'ai totalement dégénéré sur le fait d'être à la mauvaise taille par rapport à un gros bonhomme. Et j'ai pas arrêté de le dire, en fait, clairement, je l'ai dit. Ouais, c'était vraiment dégueulasse et pervers. Donc en fait, je me suis un peu comme dirait professeur Feuillage, le sexe, ça fait vendre. Oh non. Ah, je le conseille, professeur Feuillage, je le conseille, je m'éclate absolument. J'ai hâte que la prochaine vidéo. Ah ouais, surtout le coup de la déforestation. C'était pas mal. Alors, comment ça se passe avec son côté? Oh, je vois la que la première vidéo était vraiment bien. Ouais. Et l'assistante, alors... c'est Constance du Visiteur du Futur. T'aimes Constance, hein, petit cochon. J'ai trouvé hyper séduisant. Bah, vu son âge et vu comment elle est sur Professeur Feuillage, je peux l'accepter. Ouais. Mais elle est pas de mon goût parce qu'elle doit quand même être assez vieille. Je sais pas son âge, mais elle fait pas toute jeune quand même. Je vais te dire ça tout de suite. Oui. Google est ton ami. Non, pardon. Wikipédia est ton ami. Aïe. Par chance, je peux pas l'activer sur son effet qu'au prochain tour seulement. Partout, vous détachez un matériel et cette carte. Ciblez un monstre sur le terrain. Ou dans le cimetière et enroulez-la à la main. Oh, d'accord. Ouais. D'accord. Et en plus, ça me donne, toi, tu m'as fait un peu limiter les actions quand même. En gros. Ouais, t'es obligé d'attaquer sur les. Ouais, sur les. Ouais. Ah, attends, y'a pas un effet de truc là par hasard? Non, ils sont destructibles ceux-là, je crois. Ah non, mais ils sont indestructibles là, parce que là. Ils sont. Attends, ah non, ils sont pas. Ils sont pas. Non, ils sont indestructibles. Je suis tranquille en fait. Oh là là. Genre les trucs ouais. Bah en fait ça c'est ça fait comparer à certaines cartes dont Blaze, il y a. En fait c'est juste pour te foutre la misère. Allez, donc je pense que le seul moyen c'est de les renvoyer dans la main quand même. Ouais, la main. Ah ouais, j'aurais dû l'attaquer. Et ouais. Et c'est parce que j'ai pas voulu l'attaquer. Oh, je suis méchant. Hop. Tu peux en envoyer qu'un seul, c'est ça? Ouais, je peux envoyer qu'un seul. Mais en même temps. Bon, au prochain tour, je te le pète. Comme ça, je suis tranquille. Si t'arrives à faire ça avant. Voilà! Bon! Je descends de rechange. Ah ouais, je descends de rechange. Et ouais. Ouais, mais là, c'est, voilà, là c'était pas mal, hein, quand même. T'as voulu me péter mon monstre? Annulé. Ah! Ah! 5! Eh ouais. Niveau 5! 5-5! Alors, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui connaissent celui-là! Eh oui, Pléiades! En fait, ce sera la première fois. Ah oui, d'accord. En fait, c'est la première fois peut-être que je vais gagner deux fois en fait dans ce dans cette émission. Oula! Ah bah, on dirait qu'il va arriver le nouvel épisode de justement de Professeur Feuillage. Il va arriver! Ah! Dans combien de temps? Dans 2 heures? Dans 2 heures? Parce que ça a été posté il y a 22 heures, donc il arrive. Deux cartes.
Ok. Ça va peut-être être sur le nucléaire, apparemment. Oula, qu'est-ce qu'il fait son effet? Il va pas. Il va. Ah oui, you can add. Oula, j'ai un petit. Ah, c'est bon. Un petit rollback. Ouais, un rollback là. Ah, d'accord, je connais son effet. Donc, ça va te permettre d'ajouter un monstre supplémentaire là. Ouais, c'est ça, j'ai pu récupérer un monstre. Et là, en gros, prochain tour, t'es pas dans le brin. Mon côté, j'ai pas un monstre qui est bien. Alors attends, si tu ne contrôles aucune carte, tu peux invoquer spécialement cette carte. Mais je contrôle une carte. Ouais. Attends, mec. Elle a 32 ans. Ok. Aura Gay, son effet, s'il te plaît. Attends. Attends, t'es où? De qui? Quoi? Aura Gay, parce que je sais pas si je peux l'invoquer spécialement ou pas, parce que là, il y a pas que je peux l'invoquer spécialement. Alors, ça c'est qui comment? H-O-R-A-G-A-I. Alors, if you... Voilà, Aura Gay. Si vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si elle est invoquée spécialement de cette façon, vous ne pouvez invoquer de monstres. Vous ne pouvez invoquer spécialement de monstres pour le reste de ce tour, excepté les Super Heavy Samouraï. Si cette carte est sacrifiée pour invoquer un monstre Super Heavy Samouraï, alors que vous n'avez aucune carte magie piège sur votre dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. Bon, en fait, ça fait genre, ça fait l'invocation en chaîne, donc. Apparemment, je peux l'invoquer spé. Ouais. Ouais, tu peux l'invoquer spé de ta main. Bon. Ouais, donc c'est bon. C'est parce que t'as, parce que tu contrôles. Ah, par contre, peut-il le contrer? Que va-t-il faire? De toute façon, alors. Je pense que la meilleure chose à faire, apparemment, c'est de renvoyer à lui. Non. Donc, Constance a 32 ans. Ah, d'accord. C'est d'une grande utilité, Charmy. En fait, ce qu'il y avait à faire, c'était de renvoyer lui, en fait, dans l'histoire. Ouais. Cette pull dragon. Oh putain. Bah. Bon, peux-tu nous faire la traduction de son effet? Ouh. Oh. Là t'as géré. Et le contre. Et le contre du siècle. Là t'as géré. Un super Heavy Samouraï Warlord Susanoo. En plus, en même temps, tu m'as parfois bien arrangé les choses dans certains points. Alors, qu'est-ce que je pourrais il faire? Il a le même effet que Ben Kane, mais sauf que tu peux rajouter une carte magie piège, ouais. Une carte piège au cimetière de l'adversaire et le mettre sur ton terrain. Et ça, c'est dégueulasse. Allez. Voilà, allez, maintenant tu peux m'attaquer. Attends, j'ai pas encore. Hop là, les deux. Il pioche trop de cartes. En fait, on va finir. au départ, j'aurais pu finir le jeu très rapidement. J'ai décidé de laisser pour y voir un peu de jeu parce que je voulais invoquer le mec. Là, je suis dans la merde. Mais il va mourir pour une seule chose. Il a pioché trop de cartes. Oh non. Oh là. Allez, montre. Ok. Pollux, hop. Ça. Tout le nicotin. Ça part en noir. Ça me rappelle Hunger Games 3. Oh, Gogress 3, oh là là. Castor et Pollux. Qu'est-ce que je vais bien mettre de la main? Allez, un autre machin. Bon, pour les penser, il a quand même plus que 400 PV, hein. Une attaque et c'est fini. Ouais, une seule attaque, certes. Hein? Alors, qu'est-ce que je vais envoyer? Ça me rappelle un des duels que j'ai fait. Il me restait 100 PV. Il piochait, il avait le gars en face, il avait encore pratiquement tous ses PV. Moi, il m'en restait 100. Il n'y avait plus de cartes en main. Il suffisait qu'il pioche un monstre pour me buter et moi que ça soit à mon tour pour que ça soit moi qui le bute. Et il a pioché un monstre et j'ai pas eu le choix. Et j'ai mouru. Aïe. Et j'ai mouru. Par contre, là, je vais avoir mal. Là, Là, tu vas avoir très mal, mon pote.
Bon, je pense pas que je sois fini totalement, mais ça me sert pas mal. Pas totalement, mais bientôt quand même. Ah, là, ça... Aïe, aïe, aïe. Et voilà le deuxième. Oui. Mais il coûte cher, il me semble, cette carte, elle coûte cher. Hein. Qui Pléiade. Pléiades. Ouais, Pléiades, oui. Pléiades. Pléiades. Eh, je joue peut-être pas de carte piège, mais j'ai des monstres pour me défendre. Ah, ça, c'est la carte de... de la défense. C'est du style, déjà. Ah oui, je m'en rappelle. Elle coûte à 25. Ah oui, ah oui, je m'en rappelle. Je m'appelle de quel duel ça avait. Un certain Jack Atlas. Là, c'était contre. Hier, c'était contre qui? Ah oui, c'était contre Carilé quand même. Dans les duels contre les duelistes de l'ombre. Ça, je m'en rappelle de ça. Le mec, il a plus que ça pour faire pour se défendre en fait. Ah oui. De toute façon, ça sert à rien, il suffit qu'il me les renvoie dans la main, quoi. Et ouais. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Regarde en bleu. Fais pas le con, Johnny. Fais pas. Oh. Allez. Bah, il est pas destructible au combat, donc vaut mieux le renvoyer. Ah. Je t'ai dit, fais pas le con, Johnny. Fais pas le con, Billy. Fais pas le con. Par contre, ça m'a un peu arrangé les choses, ça, je préfère te prévenir. Ah merde. Parce que. Allez, en plus, vas-y. En même temps. Vas-y, okay. Vas-y, on te laisse. Montre-moi ce que tu sais faire. Vas-y. Ok. Vas-y. Fais-moi rêver. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Envoie au ciel. Zou. Fais-moi. Alors, je vais venir. Et moi j'aime l'amour qui fait boum. Ça part encore une fois en noir cet épisode. Hey, t'as vu, je me retiens à dire en couille. Merde, j'ai fini par le dire. Trop tard. Ah c'est là comme là. Parler de Pokémon et ne pas prononcer une seule fois le nom Pikachu. Totalement. Ah là là, ouïe aïe aïe. Oui. Allez, c'est reparti pour un tour. Allez, fais-moi invoquer le troisième, tant qu'il y est. Tu sais aussi que je peux remettre l'année monstre, remettre à patate du cimetière aussi. Vas-y. Bon, il va de sorte que je puisse. Est-ce que je peux subir comme ça? Un monstre sur le terrain. Allez, zone monstre. Ah oui, dans l'un des cimetières. Oh non. Ah merde. Ah, tu pensais que j'allais faire l'autre truc quand même? Eh ben, bah là oui, j'aurais eu peur comme ça, mais non, bon bah. Et oui. Tu me fais aucun prestige, hein. Enfin désolé à toi prestige. Enfin maintenant c'est Kira Token, mais j'appelle que je continue à l'appeler prestige. T'as pris des trucs en même temps. Allez, vas-y. Donc montre-moi ta force. Montre-moi quelque chose de beau. Pose tes balls sur la table. Des bolos balls. Oh c'est pourri. Et ça fait bientôt 20 minutes qu'on est en train de faire ce duel alors que ça traîne. Ouais, le duel était fini en 5 minutes. Bah, le duel s'est allongé en quasiment 20 minutes. Au moins ils peuvent admirer quand même ceux qui regardent. Là c'est sûr qu'ils peuvent admirer du spectacle. Le mec qui survit avec un pendule. Le mec qui survit avec un pendule. Oui. Et ouais. L'autre qui va pas tarder à mourir. Ouais. Ah bah. Ouais parce que désolé. Oh non, mais... deuxième. Non, désolé. je peux pas me permettre, hein. Faut quand même que je tienne encore quelques tours. c'est pour la beauté du spectacle. Vous savez, dans la vie, il y a qu'une seule chose qui est sympa, c'est le spectacle et les filles. Merde. Oh non. je dis du brin en fait. Deuxième épisode comme d'habitude, je dis du brin. Il y a plus je pense d'idée. Que là, je vais devoir dévoiler une carte parce que je suis un peu obligé. Ah ouais, là t'es dans la mouise. Bah sinon tu peux activer tu peux toujours activer l'effet de Pléiade et renvoyer ce super pendulier de combat dans ma main. Ce serait une super bonne idée en fait. La bonne bague. Le gars en fait, vas-y, fais-le pour moi. De toute façon, j'ai d'autres trucs que je peux
Alors que attends, je peux y faire aussi. À vrai dire, pour le spectacle, pourrais-tu me laisser faire un truc? Pour la beauté du Eh spectacle. ben. Je voudrais tester. En fait, pour vous expliquer, à ce niveau-là, c'est juste tester. Là, en fait, en plein duel, où normalement les decks, ça devrait être un vrai. Oh putain, je me suis coupé la peau. Oh le con. Mais là, en fait, vous voyez, il y a cette carte et j'ai envie de tester pour voir si ça fonctionne. Bah, vas-y, c'est. Bon, en fait, peut-être même que pendant ton tour, ce sera activable et là, tu vas avoir mal en fait. Qui sait? Je sais pas. On verra. Tu sais aussi que je peux le renvoyer à tout moment aussi, même les cartes posées. Je sais, mais je peux toujours activer en réponse. Moi, mais à la fin de ton, t'as une phase. Non. Ah ouais, merde. Et Ah, ouais. fuck it. Au revoir. J'avais une carte piège dans l'histoire! Une carte piège! Alors, qu'est-ce que je veux bien pouvoir y faire? Putain, mais comment j'ai pu me couper de cette façon? C'était débile. Alors, joueur invoqué lui. Un petit deuxième. En gros, pour vous expliquer, j'ai mon doigt qui a tapé dans ma main en disant merde, et j'ai tapé dans. Et j'ai réussi à m'arracher de la peau. Ouais. Je suis Hop. vraiment. Pourtant, mes ongles ils sont coupés, c'est bizarre. Bon, on s'en fout! Dis-toi. Alors, enchaîne, je vais faire ça, ça. Allez, vas-y, renvoie mes Faut dire que cartes. Graf a travaillé corps et âme dans et qu'il se donne à fond Ouais, bon dans ce qu'il fait. là je suis dans le, je suis dans le caca. Je suis dans le caca, mon ami. Ouais. Sauf que maintenant, il peut plus. Alors. Ah si. Ah merde. Ah Ah si. si, 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 si. Si, il peut encore tout faire. Hop. Il peut Je encore suis tout faire. l'impératrice. Oh. Et j'ai ma concession aussi. Antares. Bon bah en fait j'ai perdu. Hop. Le mec qui avait gagné son combat depuis le début et qui pour le duel, pour le beau duel, il se laisse faire battre comme un con. Oh prochain je te laisse pas de cadeau. Ouais. C'est parti. Ça fait mal. Allez. C'est parti, comme Mimi. Oh ça c'est Oméga. oh ça c'est du jeu. Oh ça c'est du jeu. Oh putain, et il repioche, hein, il fait que ça de piocher dans la vie. Deck pioche aussi, deck protection parce que depuis que j'ai Omega là. Et ouais. En plus, tu connaissais son effet? Alors, une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel Exis de cette carte. Ce tour, toutes les cartes constellées que vous contrôlez actuellement ne sont pas affectées par les cartes magie et pièges. Ouais. C'est dégueulasse. Et là, je me prends beaucoup de dégâts Bah dans t'es la. mort, Non, t'es non, mort normalement, non? non, Non, peut-être pas quand même. 2, Non, 4, non, 300 6, PV, 300 PV. 7, 300 PV. et 7, 300 quand 7. même. Non, 300 Il PV. lui, Et il va lui 300, rester 300, 300. 300. Bon, alors, qui va gagner ce tour? Ouais. Alors, je pense que je vais peut-être faire un autre truc. Bon. S'il fait que je pense, j'ai perdu. Il a fait ce que je pense, j'ai perdu. Doublement que tu penses aussi. Alors, bon, maintenant, faut voir si c'est Ah, par possible. contre, je vois d'abord encore des fossés. Ben, je renvoie lui. J'envoie lui. Ah, je sais pas. Faut que je regarde ce que j'ai De dans toute le façon, deck. heureusement, j'ai de quoi pour invoquer des. Oui, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Oh, oh là là. T'as le truc, apparemment. Alors? Ah Et merde. voilà, c'est fini. Et voilà pas Le mec! fini. Voilà. Alors, le mec voulait Allez. pas le finir de cette façon, mais il va le finir de cette façon! Bah en plus ça fait les comebacks tu vois. Toi ce que j'aime bien et bah des fois c'est les retournements de situation à chaque fois d'aller. Oui, j'ai gagné, j'ai gagné. Et vous savez Ouais. quoi, c'est sur les, je sais pas combien de thèmes de duels que j'ai fait sur les duels épiques, c'est le premier duel que je gagne en entier, le premier match.
Wouhou, c'est la fête. Donc, voilà. En plus, on a tiens. En plus, on devrait ajouter aussi que c'est le premier duel que tu gagnes, mais aussi le plus long aussi. Oh, oui. Là, je pense que là, je vais être pour un bon 20 minutes de vidéo. Donc, je vous dis ciao tout le monde. N'hésitez pas à liker, plus, commencer, aller voir les chaînes de mes amis. Aussi. Ouais, ça c'était vraiment pas mal. N'hésitez pas à aller voir l'échelle de mes amis et le blabla habituel. Ciao tout le monde, bye. Bye bye. Ciao,